Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Mbamb, il est 9h30 du matin. Je suis malade et j'ai un spontane qui m'est sorti, on dirait un troisième œil le machin, enfin bref. On se retrouve pour un haul avec un petit peu de déco, je suis passée chez Jiffy et ensuite comme d'habitude Fashion Nova, Shein et Romwe. C'est parti, on commence tout de suite avec Jiffy. Je commence par vous montrer ces petits coussins, donc j'en ai pris deux. Ils sont, je les aime tellement d'amour, ils sont tout doux, la couleur est trop belle. Ça, ça peut aller ou dans une chambre ou dans mon salon. Moi, je les ai pris pour aller sur mon canapé qui est noir et ça va très très bien. Il est déhoussable, heureusement, pour 9,99€ parce que je trouve ça cher pour des coussins, mais bon, c'est les prix. Ensuite, je me suis pris pour la chambre des petits cadres. Franchement, ils sont magnifiques, il y en avait plein. J'en ai pris que deux, je regrette, j'aurais dû en prendre trois. J'en ai pris un style tête de buffle comme ça. J'ai pas enlevé le plastique toujours. Je sais pas où c'est que je vais les mettre encore. Je voulais les mettre au-dessus de mon lit, mais je trouve que deux, ça fait. J'aurais dû en prendre trois. Mais ce qu'il y a, c'est que les autres, ils avaient des écritures aussi. Moi, je voulais vraiment que des trucs comme ça. Enfin, bref. Après, j'ai pris ce signe. Alors, attendez. Voilà, je sais pas, on voit pas très bien. Mais qu'est-ce que je le kiffe. Il est tellement beau. Ça, tu le mets dans un coin. Moi, je le mets dans mon coin de bureau. Et de suite, ça donne un style. Enfin, franchement, j'aime trop, trop, trop. Ensuite, bon, ça, j'ai pris un petit cadeau photo love. Parce que j'avais trop envie de mettre la tête de ma fille et de mon chien qui se font un câlin. Parce que j'ai une photo trop belle d'eux. Et je trouvais que ça allait trop bien. Là, je sais pas encore si je vais le mettre. Ça, c'est pas cher du tout, hein, ce petit truc comme ça. Et pour finir chez Jiffy, je crois que c'est tout. Enfin, si, j'ai acheté après un range de chaussures. Un pouf pour ma fille, mais je pense que voilà, ça vous intéresse pas trop. Je vous montre vraiment ce qui pourrait vous intéresser. Ces boucles d'oreilles, la première fois j'ai des boucles d'oreilles à Jiffy, hein. Bon, le prix pour moi est excessif, 6€, c'est que vraiment j'ai kiffé dessus. Ça, en fait, ça se met devant et la longue chaîne derrière, et ça, je trouve ça magnifique, hein. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, je suis pas coiffée, je pense que ça se voit. Voilà pour la partie déco, maintenant on va passer à la partie mode. Je voulais vous faire comme dans la vidéo stand privé, je vais vous faire pareil, je vais vous essayer en direct, mais par contre, ça fait plus de mois que j'ai reçu les habits, et bien je les avais déjà ouverts. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas essayé, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Et on va commencer par Fashion Nova. Fashion Nova, je vais vous mettre ce petit haut parce que mon dieu, qu'est-ce que je le kiffe. Je l'avais mis sur Instagram, donc il y a longtemps que j'ai reçu les habits, hein, avec le jean aussi pareil, donc j'essaye ça. Juste avant, tant que j'y pense. J'avais pris chez Fashion Nova ce soutien-gorge que je n'ai pas essayé. Donc là je vais l'essayer, je vais le mettre en dessous du petit haut. Je vais le laisser tout le long de la vidéo, voir ce que ça donne. Mais j'ai vraiment aimé l'idée en fait, donc je vais le mettre. Je vais vous dire d'abord ce que j'en pense. Je vous montre vite fait le soutien-gorge. C'est juste génial quoi, on la voit presque pas la bande, ça tient super bien. Il y a un petit effet push-up, donc ça c'est plutôt cool. So, j'ai pris du XS et il met quand même un peu grand au niveau de la poitrine, il faudrait que je le fasse reprendre. Voilà ce qu'il donne, franchement je le trouve tellement beau. Blanc comme ça, effet crochet, corset comme ça, parce que vous avez vraiment ça qui est dur, hein. Ça fait vraiment comme un petit corset. Il est vraiment très très beau. En même temps, je vais vous montrer mon jean. Donc c'est un jean, hein, tout simple, hein, que j'aime beaucoup, qui est très stretch, qui est très taille haute, hein. Et ça, on adore. Il est vraiment stretch, quoi. Vous pouvez presque faire du sport avec. Enfin, ouais, il est vraiment bien, ce jean. Ensuite, un petit sweat, mais vraiment un petit très fin, quoi. Limite, le truc, il est transparent. Vibes. C'est pas juste une question de vibes. J'aime beaucoup ce sweat, vraiment. Après bon, il est très froissé, faites pas attention à ça. Il est vraiment très très léger, hein. Ça c'est le truc pour le printemps machin, vraiment très léger. Mais je l'aime beaucoup. C'est pas trop mon style, hein, ce genre de sweat, mais celui-là, je le kiffe. Alors ça normalement c'est une robe, voilà. Mais comment te dire que c'est... Pour moi c'est beaucoup trop court, c'est vraiment à la fouf. Ça pour moi c'est à porter avec un leggings noir par exemple. Mais après j'aime beaucoup l'effet. Je trouve que c'est quelque chose qui affine la taille, qui fait ressortir un fessier. C'est vraiment une robe, enfin une robe, une tunique on va dire, qui est très jolie. Ensuite une petite chemise coup de cœur. Vraiment je la trouve magnifique, très classe, sexy mais pas vulgaire. D'où l'intérêt de porter un soutien-gorge comme ça. Je trouve que là c'est top, donc on peut faire un peu plus ouvert ou pas. C'est un body qui est très extensible, donc j'ai pris taille S. Après j'irai pas danser avec ça, hein. Je prendrai pas le risque de me baisser, de bouger machin. Mais pour aller à un resto ou à une soirée assez classe, franchement... Tip top. Je vais essayer maintenant un jean blanc, mais je crois que je l'avais déjà essayé. Non mais regardez, j'ai pris du 36, hein, mais comment te dire que ça pour moi c'est du 34, donc je vais quand même retester, voir si j'ai peut-être perdu. Ah non mais là c'est pas possible. C'est pas possible là. Et en fait il me va très bien, mais le machin il est archi transparent. Il y avait l'étiquette, j'avais laissé l'étiquette. Hein. 40$, pour moi un truc 40$ qui soit transparent comme ça, c'est pas possible quoi. Après voilà, hein, on est super bien dedans, on est très stretch, mais
T'achètes un pantalon blanc à 40$, il faut pas qu'il soit transparent, excuse-moi. On a fini avec Fashion Nova, on va passer maintenant à Shein. J'ai pris pas mal de maillots, je vais pas vous les essayer, peut-être que je ferai une vidéo mes maillots été 2018. Donc je vais commencer par vous essayer cette jolie petite robe que j'adore, I love it. Donc voilà pour cette petite robe, j'ai pris en taille S, la longueur elle est nickel pour moi, elle est pas trop longue, elle est pas trop courte. Elle est d'une super qualité, je l'aime beaucoup, je languis pour voir la portée, ça a des petites baskets blanches, je me vois une journée porter ça. So, on dirait qu'il est tout simple, qu'il n'y a rien d'extraordinaire, pourtant ça fait partie de mes hauts préférés. Tu te tournes, PAM! Ça c'est le genre de truc que je kiffe à fond, c'est hyper sexy, c'est vraiment un grand décolleté. Bon, pas à mettre avec ce soutien-gorge là, il faut mettre juste un soutien-gorge qui se colle juste au sein. Là la bande ça se voit trop, il est vraiment magnifique. Ça c'est aussi un body que j'aime énormément, juste avec voilà une manche qui est fermée. Et je le trouve voilà simple mais très joli, je pense qu'il doit pas être bien cher en plus. La qualité est bien, la taille est juste, j'ai dû prendre S hein, et c'est just. Avant que j'oublie, j'avais pris aussi chez Shein ce fameux pull que je portais sur la vidéo stand privé que vous avez été énormément me demander. Donc voilà, il vient de chez Shein. Et si vous avez envie de vous le prendre, je vous le conseille à fond. Il est de bonne qualité, il tient chaud, il est ample, il est long. Et du coup, vu que je fais que le mettre, il est au sale, j'ai pas eu le temps de le laver. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle quand même, parce que je sais que vous l'avez adoré. Ensuite, je vais essayer cette veste. Bon, j'ai mis une combi pantalon. Je sais plus de quel site elle y est, si elle est de Rimmel ou Shein, parce qu'en fait quand j'ai regardé il y avait beaucoup de trucs qui étaient plus en stock et je pense que cette combi elle était plus en stock. Si jamais elle y est, je vous mets le lien en barre d'infos, mais ça c'est vraiment une combi qui est super bien pour cet été, très fine et tout. Mais bon, ce n'est pas l'article en question, je vous parlais de ça. Je me suis dit je vais tester, mais en fait j'aime pas du tout. Je me regarde dans la glace et je déteste. En fait ce carreau je trouve qu'il fait vieillot. Avec ce rouge là il fait vraiment le carreau des vieux quoi. Perso quoi, il y a des carreaux comme j'ai vu chez Zara, une fois j'en avais une chez Zara, elle était trop belle, elle faisait pas vieillot comme ça. Là c'est là franchement non, j'aime pas du tout, je pense que je vais la donner ou la vendre, j'en sais rien, mais ouais elle est longue hein, comme ça. Après voilà, enfin je me fais rire avec, je pourrais pas porter ça quoi, non franchement moi je n'aime pas plus les poches, il y a même pas de poches quoi. Toujours chez Shein, je m'étais pris voilà un petit gilet. Noir avec des petites perles blanches, j'aimais bien ce côté là. Les perles sont bien accrochées, il est assez long, il arrive juste derrière les genoux. Ensuite là je vais vous montrer les maillots, les tailles des maillots chez les sites chinois. En général sa taille est quand même assez petite. Donc par exemple j'ai pris celui là, je me suis dit pouh, teste le rouge parce que je suis toujours en noir, en maillot de bain moi. Et il m'est trop petit, il faudra que je le réessaye, mais on le voit il est vachement court en fait. Et il n'y a pas de coque, du coup ça tire et la poitrine ça va l'aplatir gaillard. Du coup ça met pas du tout la poitrine en valeur, mais sinon la qualité elle est vraiment bien. Ensuite un autre maillot noir que j'ai pris en L aussi et qui cette fois-ci est beaucoup trop grand. Il est vraiment grand, là il y a des coques mais le machin il est énorme. Et là ouais il met beaucoup trop grand, il me va assez bien aux fesses mais niveau du haut c'est pas possible quoi. J'ai pris un maillot deux pièces, oui deux pièces, un bandeau comme ça avec la petite culotte. Donc ça je l'ai pris parce que j'ai trouvé très joli, mais j'ai été déçue quand je l'ai reçu, il n'était pas aussi beau que sur le site. J'ai pris taille M bien sûr, vous pouvez imaginer que la culotte voilà hein, c'est archi trop petit. Mais ça je l'ai pris pour chez moi, pour quand je vais bronzer sur ma terrasse dans mon jardin, voilà tranquille. Ce que j'ai fait aussi parce qu'il me va vraiment petit, j'ai pris des photos parce que j'ai repris le sport et j'ai fait des photos avant avec ce maillot. Et en fait chaque mois je vais prendre des photos avec le même maillot, moi je verrai bien si j'ai perdu et tout, enfin bref voilà. Et pour finir dans les maillots, j'ai enfin trouvé, je pense avoir trouvé le maillot de cet été, c'est celui-là kaki. Donc ça attendez, parce que j'en ai pris un chez Romui aussi M, donc c'est celui-là. Donc il est comme ça et en fait derrière regardez comme c'est beau dans le dos. Il a des coques à ce niveau. Bon, bien sûr, il me serre un peu au niveau des fesses. Mais franchement, ça passe. Et je l'aime vraiment beaucoup, ce maillot. Et je vous disais, chez Romui, je l'ai pris en taille L. Parce que je l'avais vraiment kiffé sur le site. Et je me suis dit, on va prendre les deux tailles. Et beaucoup trop grand au niveau du haut, quoi, le L. Maintenant, on va passer à Romui. J'ai changé de haut pour vous montrer l'article en question. C'est un pantalon que je n'ai pas du tout l'habitude de porter. Mais en fait, sur le site, j'avais kiffé. Donc, le voici. Je ne sais pas trop quoi penser de ce pantalon. Je l'aime bien. Mais la texture, j'aime pas du tout. C'est une texture assez bizarre. Ça passe hein, carrément. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un tissu vachement souple. Ça, c'est pas du tout stretch en fait. Et ensuite, ce qui me dérange, c'est ça. Je peux pas le monter plus haut. Hein, sinon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup trop haut. Et en fait, il y a genre tout ça
J'ai l'impression d'avoir un gag. Tout ça, quoi, qui est intro. Normalement, ça devrait être collé ici, quoi. Et genre, ça fait tout ça et c'est dommage parce que du coup, ça paraît, voilà, les jambes plus courtes. Je fais 1m60 et il m'arrive vraiment aux chevilles, quoi. Je pense que normalement, ça, c'est style pantacourt. Mais moi, vu comme je suis petite, ça m'arrive juste au-dessus des pieds, quoi. Mais après, avec des talons, même des sandales noires, je vais tester de suite. Bon, c'est la première fois que je l'essaye avec des sandales. Et écoutez, j'aime plutôt bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, toujours chez Romouy, je me suis pris une paire de lunettes de soleil. Alors, je me suis pris ce style-là. Au début, je voulais les prendre en jaune pour faire des délires, genre sur mes playlists et trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, prends-les en rose au cas où. Peut-être que tu les mettras aussi dans la vie de tous les jours. Et en fait, j'aime plutôt bien. Par contre, elles sont pas du tout droites. Et je trouve qu'elles sont stylées, elles sont jolies. Le rose est joli en fait. Ensuite, cette petite robe fleurie. Alors je suis vraiment déçue par cette robe, j'aimais beaucoup en photo sur le site, mais je sais pas, là je trouve qu'en fait elle est pas du tout, elle fait vieillotte en fait, voilà, elle fait vieillotte. Elle est peut-être aussi trop longue, hein. je suis pas très fan. Un maillot de bain aussi chez Romouy, donc c'est exactement la même qualité, le maillot de bain chez Romouy et chez Shein. Je trouve très joli, mais il m'est un peu trop petit bien sûr. Toujours au niveau des fesses, taille M, ici il y a une coque. Hein. La qualité est très bien, mais voilà, si vous avez le même problème que moi, que vous êtes un peu plus forte au niveau des hanches que du haut, ben ça ouais, c'est le problème avec environ presque tous les maillots de bain quoi. Ce petit haut qui vient toujours de chez Romouy, alors il m'est petit, voilà, trop petit, donc du coup si tu fais ça, voilà, c'est tout de suite moins joli. Hein. Et je sais pas fan comme sur la photo, il y a un truc qui je sais pas, il est quand même joli, mais voilà, comme je dis, dès que tu bouges ou quoi, le machin ça remonte. Hein. Et pour finir chez Romouy, un petit bandeau, voilà, tout mignon. J'ai aimé en fait la couleur, je trouve que ça passe avec tout ça. Je mets beaucoup à ma fille, mais pour moi aussi, en fait, hop, j'enlève les petits nœuds comme ça. Vous avez des fils style de fer qui se tordent, vous savez, donc hop, moi je le colle en fait au niveau du bandeau, voilà, ça fait pas le petit nœud. Et je le trouve vraiment sympatoche. Et voilà pour cette vidéo finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me dire en commentaire. J'ai à fond une vidéo à faire pour une fois que j'ai plein d'idées, mais purée, il y a toujours un truc pour pas que je les fasse. Là j'ai été bien malade quand même, si je pouvais pas, enfin bref. J'espère que cette semaine, je vais pouvoir vous en sortir. Normalement je vais vous en sortir deux, mais je vous dis pas que c'est sûr parce que voilà, il y a toujours des trucs qui m'arrivent. Donc je vous fais plein d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.